Bonsoir. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une tête d'ampli qui tente de résoudre le problème qui existe depuis à peu près une cinquantaine d'années. Comment avoir le gros son d'un Marshall Plexi poussé à donf, mais sans se provoquer un saignement de l'oreille interne? Eh bien, voilà un début de réponse avec le Ace Colt. C'est de la très belle facture, c'est de la belle tôle bien pliée, et puis surtout on voit les lampes à l'intérieur, ce qui esthétiquement est toujours très séduisant. C'est un ampli 20 watts, mais avec des lampes de puissance EL34. Donc les lampes de puissance qui normalement font 50 watts, mais là elles turbinent à 20 watts, ce qui permet de ne pas être complètement sourd quand on termine sa session de guitare. Et il y a deux canaux, ce qui est quand même nettement plus sympa que sur un Marshall d'époque. Il y a un canal qui s'appelle Boost, qui pourtant est le canal clair, allez comprendre, c'est peut-être une tradition grecque. Et le canal qui s'appelle Plexi, où là on voit assez clairement de quoi ça parle. Volume et gain indépendants pour les deux canaux et EQ partagé. Et puis tant qu'à faire, pour faire sonner tout ça, on va se faire plaisir avec une Gretsch signature Nick 13. Pour les plus fidèles de cette chaîne YouTube, Laurent nous avait parlé de la carrière de Nick 13 dans Tiger's Army et en solo. Voici donc sa Gretsch signature qui n'existait pas à l'époque, tant pis. Elle a été annoncée genre une semaine après notre vidéo. C'est pas un hasard évidemment. Et puis donc, vous allez le voir, une Gretsch dans un ampli type Marshall, forcément ça inspire des riffs genre de l'hémisphère sud.